Voilà, mes chers amis, vous m'avez demandé comment nous pouvons aider l'Afghanistan. L'Afghanistan qui est actuellement, chaque minute, sous la pression de talibans, un peuple avec 7000 ans de civilisation est en train d'être massacré, et déchiré, éloigné de leur foyer. Par le groupe de talibans que vous le connaissez. Et tout à l'heure même, vous avez pu constater, quand j'ai parlé avec juge Eric Orphan, celui qui a jugé président Chirac, même à l'époque, ce problème, ça existait, problème de talibans. Mais aujourd'hui, ici maintenant, le monde entier a fermé ses yeux devant le gouvernement mondial, que pour les intérêts financiers, comme Eric Alphen aussi l'a dit, hein, c'est un trait financier. Ils ont fermé leurs yeux et ils ont donné l'Afghanistan à la main de ces sauvages qui sont en train de tuer un peuple chaque minute. C'est-à-dire tout ce qu'on recevra quotidiennement de là-bas, c'est vraiment triste. C'est triste. Et même j'ai demandé à commandant Ahmad Massoud, il faut diffuser les vidéos de la réalité de ce qui se passe. Parce qu'ils sont tellement fiers de leur histoire qu'ils ne veulent pas nous montrer les massacres quotidiens. Vol des enfants, filles et garçons, et Panjshir, avec 200 000 habitants qui vivent actuellement, comme plupart de villages et de villes de l'Afghanistan, et même ils détruisent les maisons des Afghans et on les oblige de quitter leur foyer. C'est catastrophique tout ça. Alors j'ai en ligne avec moi, j'ai nommé ces enfants, l'enfant de commandant Massoud. Vous savez, commandant Massoud, il a des enfants, et des braves gens partout dans le monde, y compris ici à Paris. Voilà. Jean-Lyne, M. Azizi avec moi, il était déjà plusieurs fois sur l'antenne de la radio ici maintenant. Il est responsable de Fondation Liberté, proche du commandant Massoud. On va voir qu'est-ce qui se passe en Afghanistan et comment on peut aider. Parce qu'aucun gouvernement n'aide pas l'Afghanistan, ils l'ont abandonné, sauf Tadjikistan, mais il n'y a pas de frontière avec Tadjikistan aussi. Les talibans, ils sont encerclés, le Panjshir, c'est des problèmes. Et alors, M. Azizi, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, M. Rosta. Je vais bien et vous, merci. Ça va, mais ça ne va pas, comme je viens de dire. Vraiment, moi... ça fait 43 ans que nous souffrons de notre problème d'Iran, mais depuis 15 août, encore cette massacre après plusieurs décennies a commencé en Afghanistan. C'est quoi les dernières informations de Panjshir et de d'autres villes d'Afghanistan? C'est quoi, M. Azizi? Malheureusement, on n'a pas de nouvelles de... on a des mauvaises nouvelles. Chaque jour, vous voyez que les talibans, ils prennent dans chaque ville et village les journalistes, les gens qui étaient déjà dans l'armée d'Afghanistan. Ils tapent, ils leur obligent de quitter leur maison et après ils détruisent, comme vous avez dit, détruisent leur maison et brûlent leur maison. Les enfants et ces femmes et toujours. Il part dans la roue, il cherche l'argent pour nourrir et son quotidien et pour vivre, survivre, on peut dire. Malheureusement, la situation d'Afghanistan, chaque jour, il devient pire. Commandant Massoud est venu en 2001, il disait que il faut que vous
décider quelque chose en Afghanistan, si notre terrorisme va développer dans le monde entier. Afghanistan, ne laissez pas l'Afghanistan dans les mains des terroristes et des extrémistes. Après 20 ans, on voit qu'on revient dans le même poids, que les terroristes, ils sont revenus à Kaboul, dans tout l'Afghanistan, et puis petit à petit, dans les voisins. Oui. Panchir, comment les gens mangent là-bas dans la montagne? Ah, c'est quelque chose de dur. Je ne sais pas que vous avez vu les vidéos. J'ai vu que vous avez partagé sur votre groupe de WhatsApp et aussi Telegram. Vous voyez que les combattants, les gens qui résistent là-bas, ils nourrissent avec des petites choses. Ils cherchent l'eau pour chauffer et après avec un thé et on dit talhon, c'est fruit et le fruit sec et juste pour que ne mourir pas. Mais après c'est dur de résister contre un régime terroriste avec l'eau et thé et des choses très je sais pas qu'on dit quelque chose que ne donne pas énergie force pour les combattants à continuer ces combats. Les talibans, ils ont fermé toutes les frontières humanitaires pour les pincheurs en total et notamment pour les combattants. Oui, justement, tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai dit à nos auditeurs et auditrices comme quoi, même Dauphine, c'était M. Righestani, je crois, le commandant Righestani, qui était en train de ramasser des choses, comme on venait de dire, dans la montagne de Panchi. C'est vrai, ils n'ont rien à manger. Pourtant, le commandant Massoud, Ahmad Massoud, bien sûr, je l'ai dit, commandant, prince Ahmad Massoud, il pouvait être à Paris, à Londres, à Washington, dans le très joli hôtel, mais il a préféré de rester avec son peuple dans la montagne. Et comme j'ai dit un jour, la semaine dernière, la liaison a été coupée. Après, son assistant il m'a téléphoné en disant comme quoi, puisqu'on est en train de descendre la montagne, aller dans le vallée pour dormir la nuit, là, le réseau ne répond plus. Et ça, j'ai failli pleurer qu'un prince, avec ses militants, avec ses combattants, il pouvait vivre tranquillement, même avec la guerre, il pouvait quitter son pays, mais il est resté et comme un vrai combattant dans les montagnes, sans manger, sans rien, mais à côté de ces milices. C'est ça que le monde entier, M. Azizi, doit le comprendre. C'est ça que vous devez le montrer aux gens. Ce n'est pas seulement crier dans les manifestations. Il faut montrer, il faut parler, il faut dire. Même je demandais à Ahmad Massoud, j'ai dit les vidéos, certaines vidéos que peut-être ça sera interdit sur YouTube ou Instagram qui concernent les massacres d'Afghans par les talibans, il faut les diffuser. Il faut les diffuser. Il était d'accord de les diffuser. Je vous annonce ici maintenant, aujourd'hui. Il faut tout diffuser, que le monde entier sache ce qui se passe. Là, malheureusement, tout est censuré. On n'entend plus rien du tout, de tous ces massacres quotidiens. Alors, vous faites de temps en temps des manifestations à Paris et ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez de nouveau pour Paris, M. Azizi? Avec nos amis allemands et aussi de Bruxelles, tout à l'heure j'étais avec eux aussi, ils sont venus pour être avec nous dans la manifestation sur le champ de Mars, derrière la tour Eiffel. Et nous serons là-bas pour redire et répéter de soutien à la résistance contre les talibans terroristes. De soutien le peuple d'Afghanistan pour qu'il puisse vivre
comme tout le monde, dans une situation calme et dans la paix, et puissent d'aller à l'école et puissent d'aller d'enseigner à l'école, les femmes et les hommes. Et aussi, deuxième revendication, d'ouvrir les couloirs d'aide humanitaire. Maintenant, 80% des Afghans et les Afghanistanais sont dans une situation qu'ils n'arrivent pas de trouver nourriture pour la nuit, pour un repas. J'ai pas mal contacté les familles, les enfants qui ne trouvent pas pour le lait pour ces enfants. Et on a besoin de répéter tout ça aux Occidentaux qu'ils ont calme, ils ont fermé ses yeux devant cette massacre, devant cette violence qui continue en Afghanistan. Pourquoi nous sommes là et quand je répète nous sommes, ça veut dire que l'être humain qui est ici vécu, vivre dans une situation tranquille, on peut aller à l'école, on peut faire librement des choses, mais là-bas, les gens qui ne peuvent pas trouver la nourriture, ils ne peuvent pas vivre dans leur maison. Du coup, en tant qu'un humanitaire ou un homme, on doit penser à notre frère humanitaire en Afghanistan aussi. J'espère que les audiences qui nous écoutent demain rejoindre avec nous pour c'est demain, c'est-à-dire c'est le dimanche, c'est d'ici quelques heures, c'est, parce que c'est aujourd'hui. Dimanche 3 octobre. Heures, on peut dire, oui. C'est où? À 13h sur la chambre de Mars à Tour Eiffel. D'accord, chambre de Mars. Demain à 13h. À 13h, exactement, jusqu'à 17h, nous serons là-bas avec des amis français, des amis allemands, des amis de Bruxelles qui sont venus pour rester avec nous. C'est bien. Alors, je crois que le message est passé, mais malheureusement, aucune aide ne peut pas arriver en Afghanistan, aucun aide, c'est-à-dire quand vous parlez de tout ce qu'il manque là-bas concernant le médicament et manger pour les enfants, du lait et tout ça, c'est-à-dire même des grandes associations mondiales ou même des personnalités, des personnes afghanes eux-mêmes, ils voulaient envoyer des choses et malheureusement c'est impossible. Alors il faut crier pour que les autorités mondiales vous entendent et ouvrir la route pour aider le peuple afghan. Comme vous venez de dire, c'est environ 80% des gens, monsieur Azizi, qui n'ont rien à manger. On peut dire comme ça, oui. Exactement, 80%. Je sais pas que j'essaie de partager chaque fois sur tous les réseaux qu'on a, de montrer que regardez que les enfants, qu'il est votre enfant en tant qu'humanitaire, comment ils vivent en Afghanistan actuellement dans la rue de Kaboul. Et 200 000 personnes habitants de Panjshir qui ont quitté le Valais, ils sont où actuellement? Nous savons combien étaient assassinés, combien étaient kidnappés par le Taliban et combien ils sont dans les montagnes? On n'a pas une statistique, mais je peux dire que à peu près 20 000 familles sont déplacées de Panjshir à Kaboul et ils ont reparti à Panjshir, mais malheureusement, dès qu'ils sont arrivés, leur homme est massacré par les talibans et leurs enfants sont battus par les talibans. Pourquoi? Parce que vous parlez personne et c'est une langue infidèle et vous étiez de famille des proches de Ahmad Shah Massoud, vous étiez récessionnaire contre l'islam ou l'idéologie d'islam, quand par exemple en tant que les talibans, ils revendiquent que nous sommes l'islam et nous sommes le prof de l'islam, le prof de l'islam ici. Et vous avez, si vous faites quelque chose anti-islam ou quand vous revendiquez
regardez, ces mots, c'est trop important. Quand vous dites que la démocratie, la liberté, ça vient de l'Occident et ça vous dit que vous êtes infidèle et vous, vous êtes condamné au mérite de mourir. Et même, ils ont attaqué le tombeau du commandant Massoud. Oui, ils ont déterré le tombeau du commandant Massoud. Ils disaient que c'est comment dire, agence de l'Occident. Mais je ne sais pas si vous savez ou non, je vais informer nos amis, président de Tadjikistan, monsieur Imam Ali Rahman, il a annoncé comme quoi il faut ramener Ahmad Shah Massoud, le commandant Massoud, en Tadjikistan, son pays. Mais malheureusement, actuellement, il n'y a pas d'accès à Panjshir pour pouvoir déterrer Massoud et le ramener là-bas. Mais voilà. Voilà. Monsieur Azizi, je vous remercie beaucoup. Alors, on donne rendez-vous demain à 13h, Champ de Mars. La présence des gens d'Oman va être importante pour crier en faveur de l'Afghanistan. Voilà. Pour montrer leur solidarité avec vous, leurs frères, qui, en tant qu'humanitaire en Afghanistan. Bien je sûr. Vous attends tout à l'heure à 13h. Avec plaisir, donc. Monsieur Azizi. Je vous remercie beaucoup. Bonne merci chance vous, et bon courage. Et victoire pour votre peuple et pour vous, toutes et tous. Merci. Merci. Vers l'humanitaire. Merci. Vive la solidarité. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était M. Azizi, responsable afghan, proche du commandant Massoud, à Doman. Ils ont une présence, meeting, manifestation, Champ de Mars, à 13h, mes chers amis. Vous avez la parole, c'est votre tour, mes chers amis. Il nous en reste encore des minutes, vous pouvez profiter-en. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard.